Allora, con ese interno. Principaux événements de l'exercice. La saison sportive 2012-2013 s'est caractérisée par la réalisation d'un bénéfice consolidé d'un montant environ de 2 559 962,49 €. En termes de revenus, le total des produits d'exercice s'élève à 68 024 837,90 €, contre 63 669 562,66 €. Réalisé lors de la saison 2011-2012, soit une augmentation de 7%. Cette augmentation s'explique principalement par les opérations de cession et de transfert de joueurs qui ont progressé de 97% par rapport à la saison sportive 2011-2012. Avec la cession des joueurs Robley Anderson, Ayous Kouma et Mouawi Abrini, pour respectivement des montants de 11 671 637,35 €. Soit 1 052 632 €, 662 115 89 €, 79 957 $ et 300 000 €. Par la résolution du litige concernant l'ex-joueur du WAC, Yousse qui a permis de générer une indemnisation d'un montant de dirhams, 2 014 745,57 €. Par le montant des additions qui a évolué au cours de cet exercice en s'inscrivant à 1 380 000 dirhams pour 69 adhérents contre 1 220 000 dirhams pour 61 adhérents au cours de l'exercice précédent. Notons par ailleurs le règlement du litige concernant les frais de formation de l'ex-joueur du WAC, Yassir Bounou, avec l'Atlético de Madrid, qui permet de générer une indemnité de 360 000 €. Soit 3 978
1633 dirhams, et cela grâce à l'effort fourni par M. le Président. En termes de charges, le total au 30 juin 2013 s'élève à 65 464 815 41 dirhams, contre 66 909 404 36 dirhams au 30 juin 2012, soit une baisse de 2%. Cette baisse est due essentiellement à la rationalisation des charges d'exploitation et s'explique principalement comme suit. Les achats consommés ont connu une baisse de 3 798 352 37 dirhams, soit moins 32% constaté au niveau des frais d'organisation de vache et des frais de concentration et de restauration. Les charges du personnel ont connu une baisse de 1 734 441 dirhams, soit moins 5% constaté au niveau du statique. Les autres charges externes ont connu une baisse de 2 053 634 30 dirhams, soit moins 2% constaté au niveau des voyages et déplacements de la régie, commissions et honoraires. Bilan actif et passif consolidé. Détail des principaux comptes actifs consolidés. L'actif immobilisé. L'actif immobilisé du club s'établit à 56 786 539 dirhams, contre 50 340 332 dirhams au 30 juin 2012, soit une variation de 6 246 637 07 dirhams. Les rubriques de l'actif immobilisé sont les suivantes. Immobilisation incorporelle. Immobilisation incorporelle, 24 267 756 au 30 juin 2013, contre 18 656 431 au 30 juin 2012, pour une variation de 5 781 265. Les amortissements, 13 824 197 117 au 30 juin 2013, contre 7 245 727 au 30 juin 2012, soit une variation de 6 778 470 77. Les immobilisations incorporelles correspondent aux frais d'acquisition des joueurs dont le contrat est supérieur à un an. La variation des immobilisations incorporelles brutes de 5 581 235 dirhams s'explique par acquisition, retrait et cession de joueurs. Acquisition en Malmestie, 2 113 821. Acquisition pour Léon Derson, 1 917 280 dirhams. Acquisition Fabrice Andama, 3 621 440 dirhams. Acquisition ISI Redmain, selon Mouhmedia, 50 000 dirhams. Retrait quitte à Roma, moins 264 000 dirhams, joueur amorti. Cession Roblé Anderson, moins 1 979 280. Les immobilisations corporelles. Construction, 9 306 131 114 30 juin 2013, contre 9 207 731 114 30 juin 2012. Une variation de 98 338. Installation technique, matériel et outillage, 2 113 le 30 juin 2013, idem pour le 30 juin 2012. Matériel de transport, 4 568 060 au 30 juin 2013, contre 4 765 104 au 30 juin 2012, soit une variation de 177 044. Mobilier, matériel de bureau et aménagement, 954 608,50 au 30 juin 2013, contre 571 774,33 au 30 juin 2012, soit 382 834,17. Autre immobilisation corporelle, 13 560 082,66 au 30 juin 2013, contre 13 475 338,106 au 30 juin 2012, soit une variation de 116 244. Immobilisation corporelle en cours, 1 771 828,40 contre 1 506 867, une variation de 234 907,90. La rubrique construction a enregistré une faible augmentation d'un montant de 98 370 qui correspond à un aménagement de la salle de musculation et de la direction de l'école du WAC. La rubrique matériel de transport a enregistré une variation négative d'un montant de 177 044 et qui s'explique par une cession d'un véhicule léger sorti de l'actif pour un montant on dira de 176 004, reprise d'un matériel roulant pour cause sorti de l'actif pour un montant de dirhams 9100 dirhams, une acquisition d'un matériel roulant pour cause pour un montant on dira de 8100. La rubrique mobilier, matériel et aménagement divers a enregistré une augmentation on dira d'un montant de 382 834,17 qui s'explique par les acquisitions suivantes.
matériel informatique pour équipement de la direction de Clermont-Ferrand de 54 885. Matériel informatique pour la direction de l'école du Roi, Clermont-Ferrand de 16 081 francs. Mobilier matériel pour la direction de l'école Clermont-Ferrand de 16 834 97. Aménagement divers d'un montant entier de 184 018, équipementiel et vestiaire de l'équipe première du CEPARI. La rubrique autre immobilisation corporelle a enregistré une augmentation d'une valeur entière de 107 844 qui correspond à l'acquisition de divers équipements de photographie pour le studio WAC. Immobilisation financière. Ces immobilisations financières s'élèvent à 5 000 dirhams au fonds juin 2013 et concernent les dépôts de garantie relatif au loyer. L'actif circulant. L'actif circulant s'élève à 31 557 227 dirhams au 30 juin 2013 et se compose essentiellement de 38. Stock de matières et fournitures consommables. Le stock s'élève à 1 653 505 dirhams et comprend essentiellement les équipements sportifs Nike opèrent gratuitement au club durant les saisons sportives précédentes. Ainsi, que des équipements réceptionnés courant la saison sportive 2012-2013 de la marque internationale Adidas, constituée de chaussures, shorts, t-shirts, ballons, etc. Le stock est évalué sur la base d'un inventaire physique. Fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes. Cette rubrique enregistre un acompte remis à un agent de joueurs d'un montant d'IRA de 100 000. Clients et comptes rattachés. Ce compte s'élève à 8 740 537 dirhams au 30 juin 2013 et comprend principalement les éléments suivants. Sponsor, 3 884 866. Kia Motor, 3 081 250. Couturier, 500 000. TSL, 307 920. Effet à recevoir, 358 dirhams. Ce compte comprend des lettres de change émises par la société Mobilia. Facture à établir 4 500 000 dirhams. Ce compte comprend des produits à recevoir concernant des publicités sur maillot faites durant la saison sportive 2012-2013, non encore matérialisées par des factures. La société Lassanière, un montant en dirhams de 3 millions de dirhams. La société Sopac, un montant de en dirhams de 500 000. Holding Couturia, un montant en dirhams de 1 million. Personnel débiteur. Le solde de ce compte s'élève à 16 000 dirhams au 30 juin 2013 et correspond à des avances accordées à quelques salariés du club. Deux salaires de 8 dirhams chacun concernant les nouveaux recrues de Rojansi, Akid, le gardien de but, et Zintin. Autre débiteur, le solde de ce compte s'élève à 20 522 807 85 dirhams et se présente comme suite. Rouben, 248 103 86. FC Malaga, 11 671 637 31. Benito Floro, 3 857 394. Club Atlético de Madrid, 3 938 633. La Fédération Royale Marocaine de Football, 765 000 dirhams. En rapport avec la décision rendue par la Fédération Royale Marocaine de Football en faveur du WAC concernant ces deux ex-salariés du club, Rouben et Benito Floro, concernant la cession de Bobby Anderson au club de FC Malaga, concernant le règlement à l'amiable de l'affaire de Yassine Bounou avec le club de Atlético de Madrid. Autre poste de l'actif circulant, charges constatées d'avance. Les charges constatées d'avance de célèbre au 30 juin 2013 à 524 339 dirhams et comprennent les primes d'assurance de la saison sportive 2013-2014 ainsi que les charges de certaines opérations dont la facturation porte sur la saison sportive 2013-2014. Trésorerie nette active. La trésorerie active nette du club présente un solde positif d'un montant en dirhams de 5 090. C'est une caisse interne plus un ancien compte de la BNCE. Détail des principaux comptes du passif consolidé. Subvention d'investissement. La subvention d'investissement dont le solde s'élève en dirhams 1 544 000 correspond à la valeur du nouvel autocar reçu par le club vers la fin de la saison sportive précédente dans le cadre de la convention signée entre les clubs et la Fédération Royale Marocaine de Football diminuée de l'amortissement annuel. Dette du passif circulant. L'ensemble des dettes du passif se vend à 39 309 304,05 dirhams au 30 juin 2013. Elles se répartissent comme suit. Fournisseurs et comptes rattachés. Ces dettes totalisent une somme en dirhams de 14 841 007,30
et concerne les fournisseurs du club non encore payés à la date du clôture, des comptes qui se déclinent en tuiles. Rubrique fournisseur. Vision Sport 656 159 tirables. Sepama 373 714. Firmat Magasin Mazagon Royal 369 714. Cara Sécurité 290 550. First Car 228 822. Hôtel Zénith 226 214. Imprimerie TIPA 118 633. À la main d'un 1300 117 946. Maison Concord 94 038. Plein Ciel 88 070. Avocat Lehani 84 250. Somalat 88 542. Sonalges 48 000. Réserve Bureautique 46 788. Biomère 48 800. Et divers fournisseurs. Ce sont des dettes fournisseurs ne dépassant pas les 40 000 tirants. 246 758. Rubrique effet à payer. Plein Ciel 9 567 834 80. Et c'est une société appartenant à M. le Président. Pentouzaki 570 000 dirhams. Hassani Tagadir 200 000 dirhams. Oasis Invest 253 923. Concentration à Marrakech de l'équipe première. Et Morel de Tétouan 156 000 dirhams. Rubrique fournisseur facture non parvenue. Cette rubrique clôture des dettes certaines dont le club n'a pas encore reçu les factures correspondantes et se présente le compte suivi. Provision, commission 10% sur cession de Roblet en Zazone, 1 100 000 dirhams. Provision notre honoraire, provision en compte 60 000 dirhams. Provision frais d'organisation en match, 36 000 dirhams. Provision frais moyen joueur, 24 000 dirhams. Provision prime assurance, LF école, 21 432. Provision frais gardiennage et sécurité, 19 400 dirhams. Provision frais juin 2013, téléphone et internet, 4584, 31 dirhams. Personnel. Ce poste qui figure au passif pour un total de 14 918 euros, 25 48 dirhams, au 30 juin 2013, concerne essentiellement le reliquat dû aux joueurs, reliquat prime signature de quelques joueurs, salaire du mois de juin 2013, prime de match de la Champions League, non encore servi, ainsi que les salaires des autres catégories. Personnel du club et certaines primes de match. Le solde au 30 juin 2013 se détaille comme suit. Rémunération due au personnel. Équipe senior, 12 278 845 20 dirhams. Équipe féminine, 166 453 33 dirhams. Staff technique, 1 548 773 73 dirhams. Staff médical, 263 000 dirhams. Staff administratif, 509 700 dirhams. Personnel du staff, 48 507 000 dirhams. Personnel autre créditeur. Ce compte comprend deux primes de match et d'un autre prêt à payer pour une valeur en dirhams de 103 413 et qui concerne les équipes Olympique Esprit et Morlaix de Tourcoing. Organismes sociaux. Ce poste qui figure au passif pour un total de 27 678 36 dirhams comprend les cotisations de la CNSS et à l'amont des mois de juin 2013. Ces cotisations furent réglées en juillet 2013. Autres créanciers. Les autres créanciers totalisent un solde de 9 521 539 au 30 juin 2013. Ce solde se détaille comme suit. Etihad Club de Jouta, 3 621 448 dirhams. Comité directeur, 1 890 349 dirhams. Membre bureau du roi, 2 743 403 027 dirhams. APAT, 967 836. Autres créanciers, 284 581 depuis 24 dirhams. Provision pour risque et charge. Les provisions pour risque et charge, y compris les provisions pour indemnité de la formation réclamée par des clubs concernant le transfert de certains joueurs au WAC. Trésorerie nette passive. La trésorerie passive nette du club présente un solde négatif d'un montant en dirhams de 1 318 931 46. Produits et charges du club. Opération du compte principal. Les produits. Les produits du compte principal ont atteint durant la saison 2012-2013 un montant total de 63 950 587,33 dirhams contre 59 084 085,51 et ce ventile comme suite.
aux 7 sponsoring, 18 827 400 en 2012-2013, contre 20 667 540 en 2011-2012. Procès de match, 6 120 866 en 2012-2013, contre 11 254 638 en 2011-2012. Transfert de joueurs, 12 633 832 en 2024, contre 6 402 459 en 2011-2012. Droit TV, subvention et dons reçus, 9 677 415 contre 11 034 650 en 2011-2012. Cotisation des adhérents, 1 380 000 en 2012-2013 contre 1 220 000 en 2011-2012. Recettes de cartes d'abonnement, 510 506 contre 2 572 590 en 2011-2012. Recettes participation internationale, 1 482 779 2007 contre 5 568 373. Diverses recettes, 11 301 043 36 contre 344 835 en 2011-2012. Recettes exercice antérieur, 2 014 745 57 et qui concerne Youssef Donatal. Alors, se compose en principe de l'indemnisation de l'ex-joueur du WAP Youssef Donatal et 2 014 745 57. Recettes de sponsoring, le recette de sponsoring qui représente 30% des produits réalisés dans l'année sportive 2012-2013 a connu une régression de 9% par rapport à l'exercice précédent. Recettes match hors carte d'abonnement. Les recettes de match qui représentent environ 10% des produits totaux du club au 30 juin 2013 ont marqué une régression de 14% par rapport à l'exercice précédent. Transfert des joueurs. Les transferts des joueurs qui représentent 20% des produits de la saison sportive 2012-2013 ont connu une augmentation de 97% par rapport à la saison sportive 2011-2012. Il s'agit des transferts des joueurs Robles Anderson, Ayous Koma, Mouawi Abdelhani, pour respectivement 11 671 667 35, 662 115 99 et 300 000 dirhams. Droit de retransmission TV, subvention et dons reçus. Ce poste totalise un montant de 9 638 415 dirhams contre 11 034 650 dirhams de la saison précédente, soit une baisse de 12%. Cotisation des adhérents. Le montant total des cotisations des adhérents est de 1 380 000 dirhams contre 1 220 000 dirhams en 2011-2012, avec 64 adhérents inscrits contre 61 adhérents inscrits en 2011-2012. Les recettes des cartes d'abonnement. Les recettes des cartes d'abonnement sont de l'ordre de 510 506 dirhams en 2012-2013 contre 2 562 590 dirhams au titre de la saison 2011-2012, soit une baisse de 80%. Recettes participation internationale. Ces recettes qui totalisent un montant de 1 482 537 dirhams correspondent aux prestations financières servies au club pour sa participation au CAF. Recettes et exercices antérieurs. Ces recettes totalisent un montant en dirhams de 2 014 745 qui correspond principalement à l'indemnisation concernant la perte de Youssef Donatal reçu au cours de la saison 2012-2013. Diverses recettes. Ces recettes totalisent un montant de 11 301 0436 dirhams contre 344 837 dirhams la saison précédente et ce ventil de poursuite. Vente de produits accessoires, 1 036 750. Reprise de provision, 1 188 857 98. Indemnité nouvelle Floro et Bruno. 8 155 648 50. Reprise sur subvention d'investissement, 384 000 dirhams. Dont 472 200. Autres produits, 24 074 38. Cession de véhicules, 39 750. Les charges. Au titre de la saison sportive 2012-2013, les comptes de charges ont réalisé une régression de 2% par rapport à la saison sportive précédente et se présentent comme suit. Achats consommés, 7 985 642 33 en 2013, contre 11 783 995 en 2012, soit une variation de moins 3 798 352 67. Autres charges externes, 8 571 398 70, contre 10 225 033 en 2011-2012, soit une variation de moins 2 053 634. Charges du personnel,
32.794.459 contre 34.734.147 pour une variation de moins de 1.739.744.41. Dotation d'exploitation 10.431.307.01 contre 7.284.307.2012 soit une variation de 3.191.202.01. Impôts et taxes 4.626.04 contre 14.294.2012 soit une variation de moins 9.667.27. Charges financières 13.981.08 contre 105.143 soit une variation de moins 91.153.92. Charges non courantes 4.452.985.10 contre 1.291.032, soit une variation de 3.161.953.10. Achats consommés. Les achats consommés qui représentent 4% du total des charges du compte principal. Le détail comme suit. Achats d'équipement 1.158.492.60 contre 928.713 en 2018. Soit une variation en valeur de 229.719.60. Frais d'organisation match. 2.460.890.40 contre 4.513.907, soit une variation de moins 2.053.07. Préconcentration et restauration 3.952.203.25 contre 5.221.801, soit une variation de moins 1.269.597.75. Eau et électricité 224.537.25 contre 265.547, soit une variation de moins 41.9.215. Frais médicaux, 149.344.754 contre 168.271, soit une variation de moins de 18.933. Achat de fournitures 122.352 contre 307.318, soit une variation de moins 184.735.71. Achat de prestations 13.400 contre 62.260, soit une variation de moins 48.960. Charges des exercices antérieurs, moins 95.578. Contre 316.107, soit une variation de moins 430.685. Autre charge externe. Les charges externes qui représentent 12% du total des charges d'exploitation seront-ils comme suit. Location et charges locatives 422.064.33 contre 390.978, soit une variation de 31.846.33. Entretien et réparation 163.183.37 contre 546.995, soit une variation de moins 383.811. Prix d'assurance, 66.964.13 contre 68.099, soit une variation de 8.890. Personnel extérieur, 291.008 contre 225.419, soit une variation de 65.999. Commission et honoraires, 1.884.720 contre 2.734.380. Soit une variation de moins 847.660. Redevance, droit et valeur, 1.260.000 contre 1 million, soit une variation de 230.000. Frais d'actes et contentieux, 210.483, soit une variation de 210.483. Transport, 255.117.04 contre 111.439, soit une variation de 143.178. Voyage et déplacement, 3.280.331.45 contre 4.630.086, soit une variation de moins 1.347.754.55. Publicité et publication, 28.000 dirhams contre 139.000 dirhams, 139.931 dirhams, soit une variation d'accord. Alors, charges du peuple de personnel. Ces charges sont passées de 34.734.147 dirhams en 2011-2012 à 32.794.402.59 dirhams en 2012-2013, soit une diminution de 5%. Ces charges représentent 50% du capital, du total des charges du camp, principal du club, et sont ventilées comme suit. Total 32.794.402.59 contre 34.734.449, soit une variation totale de 1.734.744. Impôts et taxes. Ces charges se sont élevées au titre de la saison 2012-2013 à 4.600.
626 milliards d'euros capitales et correspond essentiellement aux taxes sur les véhicules d'hier. Produits et charges de l'école, opération du compte de l'école, les produits, les recettes de l'école sont passées de 4,587,417 milliards en 2012 à 4,114,257 milliards, soit une baisse de 11%. Alors les charges, au titre de la saison sportive 2012-2013, les comptes de charges de l'école de football du club se présentent et conduits. 1,564,556 en 2012-2013 contre 1,669,461 en 2011-2012. Je vous remercie pour votre attention.